Pouf. C'est Gérard, allez, viewers et viewers, bonjour, bienvenue pour un nouveau vlog. Attends, l'équipe déboulée, bonjour. T'as ton bonjour, modificateur oui. de voix. Ah oui, attends, ah oui, j'avais dit que je ferais. Comment on travaille ce jeu? Bonjour et bienvenue des mécaniques à avoir pour au titre de l'actualité. Pierre a actuellement encore gagné des abonnés. Et dans cette team de boulets, nous interviewerons en direct car nous avons intégré les Minecraftiens, ces hommes qui gagnent des fortunes sur YouTube et qui n'osent pas en parler. Bonjour Pierre. Putain, mais c'est trop énorme, merde. Vous avez vu les viewers, je teste un nouveau setup parce qu'on a, on tourne ça avant les Switch, avant Art to Play. Et Pierre m'a obligé à. On a dépensé du pognon avec Pierre pour vous faire du live en direct de là-bas. Donc en fait, je teste une table son. Donc le son doit être ou bien ou mal, ou vous gueulerez, j'ai l'habitude. Et voilà, c'est tout. Donc belle équipe en tout cas ce soir. Bonsoir. Bel effort. C'est terrible. Ah oui, bonjour. Ça crache, ça crache. C'est terrible. Effet de la pub. Alors Domingo, faut pas que tu parles quand ça crache. Domingo qui a tout compris, vous voyez. Pas qu'il est-ce qu'il est en mid lane, le gars? Tu es en mid lane, Domingo? Tu nous peux nous répondre? Oh, tu te calmes, toi. Une pomme. Bon, bah voilà, moi j'ai fini ma game. On se bûche, c'est super. Bon, c'est bon, on a tous des pioches. Des quoi? Wow. Ça a bugué. C'est quoi le craft? Ah non, mais. Oh merde! Soux! Je ne joue plus à ce vidéo! Je te ferai! Non, mais tout le monde a mis, je te ferai! Laisse tomber, c'est plus la peine, j'ai pas envie de te voir! Ah, Soux, je t'enlève un demi-cœur, je suis désolé! Putain, mais les boulets! J'ai besoin de Minecraft pour des raisons comme ça, de trahison, et quand je reviens, on met des patates! Non, mais c'est une plaisanterie! C'est une plaisanterie, j'en reviens pas! Attendez, alors! Alors? Nous avons une équipe jeune décimée avec B-Boy, avec Nems et Domingo qui sont déco. T'as du caillou? Ouais, j'ai fait un four. Tu vas faire quoi? T'as vraiment replanté un arbre? Moi non. Moi oui. Et vous pensez que si je chante, je vous strike vos vidéos YouTube ou pas? Un petit Barry White, ça vous tente? Oh vas-y, vas-y. Oh, let the music play. C'est pas Barry White ça, si? Non. J'ai un doute. Non, c'est Madonna ça. C'est Madonna. Merde, j'espère qu'ils arrivent à se reco les deux gigolos là. Pourquoi ils sont aussi Freddy? Eh, hey, Maquet, bonjour. Maquet. Vous avez vu qu'il a lancé son école du porno ou pas? Ouais, non, super, premier épisode, les mecs. Il est sorti, ils font du bois et ils parlent d'école de pour adultes. Bonjour. Ah non, mais il est déjà sorti pour de bon. Je vais repasser en voix normale. Attends, j'avais l'impression de parler à normale. Hyper gênant. Bah non, j'avais un peu égalisé. Enfin, j'avais complètement fait ce qu'on appelle un setup fausse radio, tu sais, complètement à l'ouest. Un peu énergie, coé, tout ça quoi. Un peu Gilowell, allô. Vous avez demandé les Energy Music Pierre. Yeah. Eh hey, Pierre, t'as jamais chanté pour nous. Et cette Grave. Année, pour l'album pas encore sorti et pas encore écrit, le candidat gagnant est Matt Pokora. Ouais, merci. Putain, tu dis ça mais je connais des paroles de Matt Pokora par cœur. Est-ce que vous voulez vraiment que je chante? Non. Ouais, non, vas-y gros. On fait quoi? Moi j'ai plein de bois mais j'ai pas de pierre. Bah regarde, il y a une ouverture pour du caillou. Je sais pas, on chope un peu des... Oh putain, il y a des zombies là, de la bouffe. Je vais essayer de choper des... Il y a du monde qui a des pommes. Non. Merci connard. Merci connard. Mais j'en ai que deux, ça me sert à rien. Moi je vais chercher de la bouffe les gars, je reviens. De la nourriture. Bon bah switch jeu Patrick pour changer un petit peu des KTP, l'idée c'est d'avoir un truc sympatoche et on n'a pas des teams totalement définis, on n'a pas des teams random, on n'a pas des... Enfin, des teams du genre où faut trouver... Je sais pas, ça change un petit peu et ça va être un peu plus de... Chacun va garder un petit peu son stuff entre guillemets pour éviter de le passer à un autre, pour avoir... Oh des petits lapinous. Pour justement, si jamais il est switché, l'avoir pour sa prochaine team. Sachant qu'il peut toujours être switché après, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, qu'est-ce qu'on a? On est à côté de la bordure. On a un marais, on peut peut-être avoir des petites vachettes là-dedans. De toute façon, pas de kill premier épisode. Alors après, on aura du fight évidemment à la fin, mais dans un premier temps... c'est plus familial, c'est plus sympathique. Donc on est 24 joueurs en tout. 6 teams de 4, un peu moins que d'habitude. Pourrait-on avoir des vaches, s'il vous plaît? Top à la vachette. On a de la canne à sucre, ça c'est pas mal. Alors ça, on va la garder sur nous, hein, les amis, en cas de switch.
Globalement, au niveau des teams, ça a été fait de telle sorte que ce soit équilibré. Il y a à peu près partout un très bon joueur. Et puis après, c'est de l'équilibrage. Voilà, c'était pour éviter d'avoir une team un peu cheatée, on n'a pas voulu faire de random. Un peu avec les affinités de tout le monde aussi. Bon, alors par contre, il va falloir ramener de la bouffe pour tout le monde. On a un désert pas très loin. On a encore de la canne à sugar. Poum, 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 poum. On pourrait faire des pommes ici. D'ailleurs, ils devraient venir ici. J'aurais dû leur dire. C'est plus sympa un marais pour des pommes. Bon, je pense qu'ils vont farmer les pommes quand même. Qu'est-ce que je fais? Je reviens? Je suis pas très loin. Je vais revenir. Je vais leur dire de venir avec moi dans le marais. Ouais, on est bien en Eternal Day, c'est good. Voilà, et puis le dernier KTP, on avait des... Ah putain, je fasse cuire un peu ça. On avait des teams... Le concept était pas trop mal, mais il faudrait qu'on change un peu, qu'on spawn à deux, ou du genre on spawn tous solo, et le premier mec qu'on croise c'est notre team, et ça c'est toujours le même problème. Ou on spawn à deux, et les premiers deux qu'on croise ça fait une team à quatre, mais pareil, ça peut engendrer des petits problèmes. Donc l'idée de... On va juste en faire cuire un autre. L'idée de spawn à deux et d'être dans d'autres teams et faut trouver ses mates, je trouve, est pas mal. Avec des feux d'artifice, des conneries comme ça. Ça peut donner du 2v2, alors évidemment si une team se retrouve et d'autres non, ça peut être un peu violent. Je vais leur dire de venir ici. Ce sera beaucoup plus simple pour les pommes, à moins qu'ils en aient beaucoup. Puis même rester près de la bordure. Pas trop d'intérêt. Il y a tellement de canne à sucre. J'en ai suffi plus qu'il m'en faudra. Oh, des moutons. Des moutes-moutes. On va se stuffer tranquillou. Je pense que Nem c'est déjà dans les diamants. Donc, oui, au niveau du team, quand je disais l'équilibrage. Merde. Hop. Quand je disais l'équilibrage, ben, bon, chez moi, on va dire que je suis le. Pas forcément le plus fort, mais. Mais bon, globalement. L'équipe a Auré. On a Auré et As2 qui sont quand même pas mauvais du tout. Il y a Skyheart qui est plutôt bon. Frigel aussi se débrouille pas trop mal. Ensuite, on a Nems. Shorty se débrouille bien aussi. Donc je les ai mis avec Domingo du coup. On a Dawid qui se débrouille bien. Hunster, ça va aussi. Xari commence à avoir vraiment l'habitude. Et puis Fuka, bon aussi avec Zera, ils jouent souvent ensemble, donc voilà, c'est l'occasion. Je crois que j'ai loupé aucune team. Des moutons. On arrive à la bordure, je vais leur dire de venir avec moi. Tu-du-tu, ah, monsieur Click! Ah Pierre, bonjour, on vous chantait des chansons. Vous avez trouvé des trucs? Oui, un marais pas loin, ça vous dit de bouger vers là-bas? Bah je pense que ouais. Attends, on va appeler les Messieurs? autres. Alors je te donne Messieurs? juste, Pierre, si on se perd, Déjà? le signal de raccordement, écoute, c'est Pouyo 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 Pouyo. Pouyo Pouyo Pouyo! Alors les gars, au lieu de construire une petite caverne bien sympatoche. Oh, vous avez déjà dû faire, c'est pas mal. Oui, On a c'est invité moi, Valérie c'est moi, Damido. c'est moi, hey, c'est moi. Ce que je vous propose, c'est de venir un peu plus loin, il y a un marais, donc pour faire des pommes et tout, c'est vraiment pas mal. En plus, c'est un super quartier le marais, moi ça me botte. Ça te tente bien. Il va toutes nous les faire, c'est sûr. Bon allez les gars, vous venez ou quoi? Allez, on y va. Harry? Oui, je suis là. Oh. Oh. Moi je m'en fous, je suis déjà strike sur ma chaîne, donc je m'en branle. Hein. Moi, ils vont avoir des épisodes de 10 minutes, donc. Moi je m'en branle, j'ai pas de chaîne, donc. Ah mais ta chaîne est toujours limitée? Ouais, jusqu'à janvier. Merde, je croyais que c'était résolu ça. Ouais, c'est résolu devant les tribunaux. Hein? Ça va encore me coûter une blague. Parce que J'ai j'avais vu ta faim. vidéo qui disait que tu pouvais plus uploader, machin, j'ai plus d'argent. Puis... Non, c'est pas Putain. j'ai plus d'argent, Michel. Ah, ça devait être Hunster. Non, 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 non. Putain, les pires. Je Prends sa rigole. balance, ça y va direct. Non, mais je critique, rigole, mais ça ça clique. va. Oh, grave. Eh, hey, Pierre, on fait une skybase. Ouais, au-dessus du marais, mec. C'est par ici. On dit qu'on habitera tous les deux toute notre vie. Au marais? Est-ce qu'on pourrait C'est être à poil le très matin quand on se limite. réveille? Qu'est-ce que tu dis? On est au marais, Fred.
Non, ta gueule. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur épisode rien, les cons. Ils ont mec, pendant que t'étais pas là, on a dit des conneries, mais c'est dingue. Je veux pas savoir. Putain, Flaming a pris les dégâts. Bah, je sais pas, les mecs, ici, y a pas mal d'arbres, ça vous dit. On casse les arbres pour les pommes. Et on mine. Bah, écoute, tu veux. Je vais chercher, j'ai pas mal de canne à sucre, je vais chercher juste du cuir, moi. Y'a Soul, il est déjà en train de faire du sauciflard. Hein. Parfait. Donc tu veux qu'on fasse quoi, on creuse ou on creuse pas? Bah, y'en a un qui creuse et les autres, les arbres, ça donne masse pomme, les arbres des marais. Bah, vas-y, Harry, tu fais quoi? Moi, je fais aux arbres. En fait, ça donne masse pomme parce que, globalement, ils sont plus grands que les autres arbres, ils ont plus de feuilles. Donc, en abattant un arbre, y'a plus de probabilité d'avoir... des pommes. Nous, on va se balader tranquille. On verra si on est switch ou pas. Il y a quand même 3 switch et on est 4 par team. A chaque fois, on a une chance sur 4 des switch. Donc, 1 sur 4, plus 1 sur 4, plus 1 sur 4. Au final, vous avez... Est-ce qu'on a 3 chances? Non, les tirages sont indépendants. On n'a pas forcément... Si, on a 3 chances sur 4 d'être switch. Non, à chaque fois, c'est l'inverse. Il faut faire 1 sur P. Chaque fois, on a 3 chances... On a 75% de chances d'être pas switch. Donc c'est 75, ne jamais être switch, c'est 75, 75, 75, enfin 0,75, 0,75. Faut que je sorte ma calculette, putain de merde. Bonjour, je voudrais des vaches. Ah, on a un désert. Un petit temple, peut-être? On va se balader, on va explorer. J'aime bien faire ça, premier épisode, inutile de se presser, de toute façon je sais que j'ai... Quand y'a Nems en game, j'ai aucune chance d'avoir beaucoup de diamants. On se débrouillera après, on a le temps de se stuffer un petit peu. Ouais, par contre je suis pas ouf en bouffe. Y'a le mur pas loin, je crois. On a encore de la canne, mais... Ah, de la savane. Peut-être y a-t-il des vaches. Je crois pas qu'il y ait de vaches, mais par contre il peut y avoir des poulets. Ah ouais, mais non, c'est hors bordure. Wow, bonjour monsieur. C'est un mini désert. Mais on n'a pas beaucoup de bouffe, hein. Ça par contre c'est pas ouf. C'est pas oufissime, j'espère qu'ils vont en trouver. Peut-être que quand je repasserai ça aura spawné comme tout à l'heure. Oh, j'ai cru entendre quelqu'un. Allô? Allô, allô? Allô? Non, bon, je sais pas pourquoi j'ai entendu un son. Bon, encore de la canne. On va pouvoir faire... Oh putain, j'en ai 2 stacks. Je vais faire des heureux. Si j'arrive dans la team Anem, ce sera... Ouais, on fait des biblios et tout, on fait des méga enchantes. Je vais peut-être aller... Quand je reviendrai un peu vers le centre pour chercher des vaches. J'ai récupéré mon four, oui. Ça marche, excellent. Ça fait pas de bruit quand on les pose. Oh, des pouletos. Oh putain. Je repasse ça. Dans la savane aussi, je sais pas où est la plus grande probabilité d'avoir des vaches. J'aurais peut-être dû faire cuire ça à la place, mais c'est pas grave. Le poulet. Parce que j'en ai le moins. Comme d'hab, on va en faire cuire 3. Je sais pas, ce serait intéressant de trouver un petit truc. Il y a masse marée, mais bon, c'est pas oufissime. Au niveau des gens... Oh, Chelsea et Hunster ont pris masse dégâts. Alors on voit quand même les cœurs... Allez hop, ça suffit. Malgré qu'il y a toujours ce bug, hein, suivant les couleurs des trucs. Par exemple, Chelsea, on arrive moins à voir, mais elle a pris 5 cœurs. Hunster aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. On a un désert. Bon, bah on trouvera pas de bouffe là-dedans. J'ai ma petite réserve. Ah, du mouton. Attends, y'a de la canne à sucre partout, hein, ça va pas manquer. Merci. On a encore du mouton là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai cette musique en tête. Bon, on a pas mal de bouffe. Là, c'est cool avec le mouton. Il nous faut toujours de la vache. Désert ou pas désert? J'ai quand même envie de jeter un œil au cas où d'un temple. Ça se voit assez facilement dans les déserts. Et on viendra par le marais direct, on va jeter un œil rapide. Ah.
Ah, oh, 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 oh. Les vaches, on a du cuir, ça c'est cool. Mais il m'en faudrait plus après pour avoir masse bouquin. Alors, deux de cuir. Ah putain, elle a cassé. Genre vraiment. Oh, j'ai pas de cailloux. Ouh, quelques petits lags. On va les casser à la pioche. Encore des vaches! Ça pourrait être cool de prendre juste un peu de cailloux. Bientôt la fin du premier épisode, il faut que je revienne avant le switch. Ou alors je peux en laisser un vraiment dans la merde, ça peut être rigolo. Je l'ai pas récupéré. Un gros level. Par contre la plante vache est cool. Parce que j'étais venu chercher. Ouh putain là, elle en a droppé tellement. Je suis parti un peu loin. Est-ce que je le fais ce désert ou pas? Ça m'inquiète. Je vais avoir le temps de revenir. 3 minutes 40. Ouais, Bon, la bouffe c'est bon. Sur le chemin du. Oh, ça a spawné en masse. Ça, c'est vraiment cool ça. C'est ce que je cherchais. Parce que j'ai beaucoup de canne à sucre et ça peut être rentable plus tard. Mais je vais les garder. Hein. Je vais dire à tout le monde, j'ai pas. Et une fois que tous les switches seront faits. Et les mecs, au fait. J'ai 40 bouquins. Attendez pour les enchantes. Bon, désert. On fait le tour vite fait. On va peut-être se positionner sur les monticules. Encore des vaches. Cool. Donc je trouve des vaches, moi ça me va. On a combien de cuir? 9. Ah, c'est pas non plus ouf. Hein. Ça fait 9 bouquins, ça fait 3 biblios. Je vais regarder en restant ici. Des vaches encore, putain, il y en a partout. Oh putain, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça, les amis. Bon, du coup, je suis pas trop avec mes mates, hein. C'est un peu triste, RT. On va revenir les voir. J'espère qu'ils switcheront pas trop vite après. Faut vraiment que je vienne les voir vite après. On va faire demi-tour ici. En passant par le désert et on sera tranquille. Encore les vaches! Bon, je pense que j'en ai assez. Combien de cuir? 23. Ah ouais, c'est plus qu'il n'en faut. Vous divisez par 3, ça fait 8 biblios en gros. Ouais, c'est beaucoup plus qu'il n'en faut, on n'aura jamais l'XP pour. Putain, il y a des vaches partout. Ah, ça va être la régalade pour la bouffe. Ouh là là, pas content. Allez, oh! Lol. MDR. What? On en parle de Spike the Chunk? Duc. Je ne suis pas venu ici, n'est-ce pas? Oups. J'ai oublié que c'était là. On va essayer de pas déclencher le piège. Ça pourrait être pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? Un peu de fer... Un peu beaucoup de... Une selle, ça peut être cool. On a 22 d'or quand même, c'est pas trop dégueulasse, ça on va le prendre. Putain, il faudrait qu'on puisse faire un piège de bâtard, serait pas mal. À celui qui viendrait là. Comment on pourrait faire un piège? Un peu trop compliqué. Oh, je les ai même pas mis au bon endroit, c'est pas grave. On va quand même faire genre, il est pas exploré pour les mener dans l'embrouille. Tiens, on a une autre. Ah oui, mais non, c'est un puits. On va revenir, c'est par là. On va revenir avec les poteaux. On a combien? 22 d'or. C'est pas trop mal. On a notre pioche. Bon, c'est à peu près tout.
Et on se dit rendez-vous à la prochaine déjà. J'aime bien passer, comme je vous l'ai dit, le premier épisode en exploration. Je vais juste voir par là-bas. On n'est pas encore à la limite s'il y aurait un deuxième temple. Ça pourrait être cool. Bah voilà, fin de l'épisode 1. Rendez-vous à la prochaine.